clip de la grande Sophie, Une vie, c'est un clip qui se veut un peu choral, qui, au travers de 5 histoires parallèles, essaye de réinterpréter un peu la chanson. Comment 5 personnes très différentes pouvaient avoir un choix qui est majeur et qui va changer justement toute leur vie. Cet album, il parle beaucoup de la transformation. Je voulais vraiment qu'à travers ce titre, on sente un élan de liberté, que ce soit vraiment un hymne à la vie, avec toujours ce sentiment que c'est toujours mieux de choisir qui on veut être. Des chagrins, on en a plein. En 3 minutes 30, on essaie de raconter une histoire un peu à la manière d'un court-métrage où Sophie sera pas juste une chanteuse un peu monolithique en train de réciter sa chanson face à une caméra, mais plutôt qu'il soit partie prenante de l'histoire et qu'il soit plutôt dans des caméos, de petits détails, mais qui permet d'incarner la chanson, de rappeler bien qu'elle est au cœur de l'histoire, mais en même temps avoir une vraie scénarisation et avoir une approche très très fictionnelle du clip. Quand j'ai reçu le scénario de Bertrand, je me suis vraiment attachée à chaque personnage, j'avais envie de les suivre. Et je trouve que leur particularité, c'est qu'ils renoncent tous à quelque chose pour se sentir mieux et libre, et ça représente vraiment la chanson. Une vie, on n'en a qu'une. Des soucis, on en a plein. L'idée, c'était un clip très naturel, lumière naturelle, épaules. Donc un truc hyper vivant, qu'on light pas non plus trop, qu'on laisse vivre les comédiens, on laisse vivre les actions. Voilà, donc on est parti sur quelque chose de très simple. On a cherché à looker un petit peu l'image avec des techniques un petit peu rigolotes pour donner une image un petit peu vintage dessus. C'était bien aussi de changer, de ne pas forcément avoir le rôle principal, d'apparaître de manière furtive, créer du lien comme ça entre chaque personnage. Et j'avais envie de me faire plaisir, d'avoir des invités. C'est comme ça que j'ai contacté Demi Portion. Je le suivais déjà sur Instagram et c'est par ce biais-là que je lui ai proposé s'il avait envie de venir jouer dans mon clip. Je l'ai toujours trouvé sincère et je trouve qu'il a une pure gueule. J'étais hyper heureuse qu'il accepte et ça m'a permis aussi de le rencontrer. De l'amour, on en a plein. Toi, tout près de moi.